Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 2 janvier 2019. Bonne année, bonne et heureuse année à tout le monde. Beaucoup de santé et de prospérité, bien sûr. Et je vous souhaiterais beaucoup de discipline en 2019, autant que possible. Et puis, les marchés ont commencé en baisse ce matin pour la raison. Il y avait plusieurs raisons, de toute façon. C'est à cause qu'il y a eu des mauvaises données en Chine et en France. Qui confirme les craintes des investisseurs quant au ralentissement économique mondial. Donc, la faible activité en Asie, suivie des chiffres décevants de la zone euro. C'est parce que ça fait suite à la contraction de l'activité des usines en Chine pour la première fois depuis 2 ans. Le pétrole a chuté aussi parce que les membres de l'OPEP continuent à augmenter leur production, même s'ils étaient supposés la diminuer. Puis le Congrès, il est encore en breakdown parce que Trump refuse de demander une augmentation de budget au Congrès tant qu'il n'a pas eu son 5 milliards pour bâtir son mur. Puis les démocrates continuent à être contre cette décision-là. Eux autres, ils veulent renforcer la sécurité qu'ils ont déjà là, aux douanes. Donc, c'est pour ça que les marchés ont parti en baisse, mais bizarrement quand même, contrairement à ce que ça a fait les autres fois où ça partait en hausse puis ça se dégonflait, là, c'est parti en haut, c'est commencé en baisse, puis après ça a été un rebond là, tout l'avant-midi. Là, on est en train de revirer de bord du côté du TSX. En bas de ça, ça serait l'inversement de la tendance haussière de ce matin. Le SPY, lui, à toute fin pratique, a déjà inversé. Là, il fait un petit rebond, mais la tendance est déjà inversée, la tendance haussière. Donc, quand on regarde la situation ce matin, là, du côté des ressources, le pétrole a commencé en baisse fortement. Puis après, il n'a pas cessé de monter jusqu'à temps d'arriver tout dernièrement où on a commencé la première correction. Un peu difficile de dire où est-ce que la tendance tombe à cause de cette hausse-là. Donc, j'ai tendance à la mettre comme ça puis dire qu'ici aussi, il y aurait l'inversement de tendance si on s'en allait par en bas. Les titres aurifères, l'or a quand même pas mal progressé ce matin, même s'il a fait quelques corrections. Elle est toujours en tendance haussière. Et puis,
les titres, eux autres, refusent de monter plus haut, un peu comme les pétrolières qui ont moins monté que le pétrole. Les aurifères ont moins monté que l'or. Fait que, donc, on voit qu'il y a quand même une certaine nervosité là, sur le marché. Donc, si on regarde ici l'énergie qui, finalement, était en baisse ce matin, puis là, est proche de faire un élan haussier, le gaz est toujours légèrement en baisse, puis les titres bien, sont légèrement en hausse. On a eu plusieurs petits signaux haussiers, là, des petits élans haussiers, pas forts, pas de gros volume sur le secteur énergie. Dans l'or, bien, comme vous le voyez, l'or est toujours en hausse, comme ça, et puis les titres refusent de décoller, même s'il y en a eu une coupe qui ont bien fonctionné ce matin dans nos trades intra-séance. On avait des tours gold, là c'est fini, parce que l'or et les aurifères sont en train de revirer de bord. Donc, si vous êtes là-dedans, DGC, plus que temps de prendre un profit, même si c'est pas beaucoup. VTVT a été une petite pause ce matin tranquille. Après ça, il y a eu un autre décollage ici. Le titre a quand même remonté, mais ça n'a rien à voir avec la volatilité des autres jours, là. Quand même pas si extraordinaire. Donc, c'est fini pour l'instant du côté de l'or. Dans les mines, c'est en baisse partout encore ce matin. Le tech est venu chuter sur son support. Il a rebondi, mais vous voyez, là, on n'est pas changé de direction encore. Là, on évite ce secteur-là tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de direction. Parce que First Quantum met de la pression sur son support, même si Hot Bay est rebondi, toujours dans sa formation neutre. Lundin, c'est pareil. Turquoise aussi. Donc, ils sont tous à peu près dans la même situation. Personne ne montre un nouveau cycle haussier. Dans la consommation discrétionnaire, c'est de la correction limitée, mais pas de cycle haussier dans le secteur. Les télécoms, c'est de retour à la baisse, donc on reprend la tendance baissière. Les services financiers, ça chutait ce matin, c'est revenu à zéro, mais l'indice est encore en suracheté complètement. Vous savez, quand l'indice est arrivé à cet endroit-là, à chaque fois, ça redescend, donc ça montre un essoufflement des acheteurs. La baisse n'a pas continué, mais c'est toujours pas haussier. Du côté des industriels, c'est la même chose. C'est de la correction CP, même si ça s'est ramené quand même. C'est pas positif. Et donc, si le marché reprenait à la baisse, là, on s'en retournerait encore en direction des supports. Mais pour moi, là, j'ai l'impression qu'on va rester là-dedans encore pendant quelques jours, là. Puis peut-être que si le shutdown arrête, puis que les employés reprennent aux États-Unis, ça pourrait donner un petit boost, là. Mais ce qui fait peur au marché dans le moment, c'est un ralentissement de l'économie mondiale qui se confirme de plus en plus. Donc, real estate, c'est à la baisse. C'est tout ça, là. Ça a tout parti à la baisse ce matin, montrant, en tout cas, une chose certaine, la fin du rebond. Là, est-ce qu'on aura un autre cycle haussier? Bien, ça pourrait prendre une couple de jours avant qu'on voit ça, à moins que la situation revire complètement, là. Mais pour l'instant, c'est un peu de rattrapage. La santé, c'est en hausse parce que j'avais Bosch ce matin. Il y a CRX qui ça a l'air d'un élan haussier, mais c'est un petit peu borderline, là, comme élan haussier. C'est pas très fort. Le volume est assez faible. Il y a 64 000 de volume seulement là-dessus. Fait que sous toute réserve, là, seulement dans un nouveau décollage à 4,38, 4,40. Puis après, ben c'est ce que... Il y a Terra Technologies qui pourrait avoir l'air d'un élan haussier, mais ça n'en est pas un. Ça va s'arrêter ici à la résistance. C'est sa troisième journée de hausse, donc ça ne dépassera pas ça. Je serais bien surpris. Et puis les titres de cannabis, même s'il y a une hausse, là, ça ne montre pas de cycle haussier dans le graphique quotidien. Donc, c'est juste du trading à très court terme, là, en day trading seulement. Puis j'ai BHC qui était en élan là ce matin avec puis là ben il est en train de faire une petite correction donc on va le laisser confirmer maintenant si on n'est pas embarqué là-dedans à cette heure qui se corrige là s'il revient jusque là il va montrer la fin déjà de son cycle. Je pense que c'est important de regarder ce que le marché va nous faire là parce que on s'est replié un peu puis là on est bien à la veille de nous dire si on va revenir à la baisse. Regardez le Nasdaq là qui est de côté, s'il passe par ici, c'est l'inversement de cette tendance là. Du côté du Dow, on est dans la même situation, tout ce qui est en bas ici inversera la tendance et puis sur le SPY, c'est du pareil au même. Donc, TVIX pourrait être intéressant au cours des prochaines heures. On est-tu rendu à la pause? Oui. Vas-y donc.
Donc, la grosse question là est savoir, bon, on a connu un gros rebond ce matin, ça a été les FNB haussiers, certains titres aussi ont été intéressants, les pétrolières, entre autres, qui ont beaucoup rebondi, mais là, c'est un autre ball game entre les deux ici, là. Donc, ce sera les FNB baissiers, si on repart par là, pendant l'émission. J'ai une première question ici de Robert qui dit DLTR à New York, un go pour prendre une position. On va aller voir ça immédiatement sur New York. DLTR. OK, un go pour prendre une position, c'est Dollar Tree. Il a déjà quand même fait un bon petit bout. Vendredi, il était un peu incohérent. Là. Vendredi, il y avait une pause, là, puis c'est lundi qu'il a redécollé. On va regarder ça, ça va nous prendre un graphique un peu plus long terme ici, là. Donc, c'était ça, la fameuse résistance qui a été traversée lundi. Il y a eu une correction ce matin, il est repris à la hausse, là. Mais ça me fait un petit peu peur, parce que, tu sais, tout ça, ça a l'air d'un nouveau décollage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas continué lundi après-midi, OK? Puis dans le fond, c'est aujourd'hui qu'il reprend. Mais si on mettait ça ici, on aurait ça comme tendance. J'ai de la misère à me convaincre que c'est vraiment un nouveau cycle, là. Surtout en situation surachetée, encore une fois. Regardez ici, là, en situation surachetée, là, OK? Quand le titre était là, ici, il était là, ici, il était là. Donc, le stochastique a 100% de succès au cours des 4 derniers mois. Donc, je trouve que c'est un gros risque, je pense, que de l'acheter à ce niveau-là. Robert dit, LAC LAC se poursuit. Ça se pourrait-tu que c'est le temps d'embarquer? Oh oui, OK. Ça me surprendrait, mais je vais aller voir. bon, vous voyez, le lithium, là, il chutait comme le reste du marché ce matin. Il est en situation surachetée avant. Il n'y a rien de positif du côté du lithium, en tout cas. Sociedad, le plus gros producteur de lithium au monde, est pas en cycle haussier. Il est dans une pause après avoir traversé un support important, OK? Donc, quand on le regarde en hebdomadaire, là, une grosse tendance baissière, une formation neutre, vraiment, vraiment pas d'élan là. Nemaska remonte de peine et de misère parce que la compagnie va pas mal, c'est juste qu'elle a reporté un peu plus loin ses ventes commerciales, mais c'est pas le temps de lui non plus. Puis moi, pour moi, le lithium, c'est juste un pullback. Comme on a connu sur le marché, c'est sa quatrième journée de hausse. Il est tout simplement revenu sur son support, testé plusieurs fois. Ça fait deux fois qu'il décroche en dessous puis qu'il revient. Donc, signe que les investisseurs sont pas prêts à lancer la serviette. Mais encore là, dans un mouvement qui a été inversé à 4 et 10, 4 et 70, c'est 15% de fait sur ce mouvement-là. Moi, j'attendrai le début d'un prochain mouvement parce que c'est encore vraiment une tendance baissière. Puis capitaliser sur ce rebond-là, c'est comme d'avoir tradé ça ici, puis ici, puis ici. Puis regarde, c'est du vraiment très court terme. Puis en plus, comme c'est du très, très, très court terme, puis que le mouvement est déjà avancé, à mon avis, c'est très risqué. Guy Sylvestre dit « Bonne année 2019, bien, bonne année à vous aussi et à votre épouse » qu'on voit sur le petit avatar. « Bonne année ainsi qu'à toute l'équipe de Décision Plus. René, à vous aussi, René, bonne année. Le pétrole gagne 5 %.» Oui, c'est vrai, le pétrole gagne... 2,9%, mais 5% depuis sa baisse, là. Donc, mais regardez, si je mets ça de même, là, ici, les pétrolières, là, USO, son dernier cycle, là, il vient d'être annulé, OK? Donc, aller, retour, donc à partir d'ici, c'est plus une tendance haussière, là. Regarde, on peut pas continuer la tendance, OK? On est repassé à travers. À partir d'ici, on inverse la tendance, donc faut faire attention. Au cours de la prochaine demi-heure, heure, on voit, là, vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de faire à son décollage, là. Donc, ça veut dire que HOU est en train de remonter. Donc, d'ici à là, c'est HOU. À partir d'ici, c'est HOD. Et puis, si vous avez pris position dans des titres pétrolières de ce matin, bien, sur l'inversement du pétrole, il faut faire attention parce que les titres pétroliers vont faire la même chose. Eux autres aussi, ils vont venir inverser ici si le pétrole chute en dessous de son support.
NMX, un bon achat? Non, je viens de l'analyser. Moi, je trouve pas. Les publicités semblent démontrer que du after-hour trading serait avantageux. Qu'en pensez-vous? Est-ce toujours payant? Pas toujours payant, mais ça peut l'être payant. Écoutez, il y a moins de volume en hors trading. On a quelques clients qui en font. Moi, j'ai jamais vraiment bien aimé ça parce que c'était un peu confus là, avant l'ouverture. Mais il y a moyen. J'ai deux positions. On va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. J'ai deux positions dans Doll à 32 et 25 où je mets mon stop loss. Bon, vous voyez, Dollarama qui a inversé sa tendance haussière il y a quand même quelques mois. La première fois, c'était à 47,5. Et puis là, après, ça a été ici. Il y en a eu plusieurs. Là, ses supports sont là. Son point de son. Vous êtes à 32,25? Il vaut 32,50, OK? Mais le support, si je vous le montre ici, le support important, il est à 30,75. Ça fait que moi, je pense qu'à 32, puis vous l'avez payé 32,25, puis là, il vaut 32,33. Peut-être que ce serait mieux de la fermer là, parce qu'au moins, vous n'êtes pas à perte. Ça fait que là, pour prendre le risque que le titre traverse sa résistance, chose qui est loin d'être garantie. Il a monté sur des volumes faibles là, les derniers jours. Donc, ce serait plate d'avoir à sortir avec une perte d'une pièce et demie quand on pourrait sortir là sans vraiment trop de mal. Alors, regardez, si on veut y aller sur un très, très court terme, vous êtes à 32,25, il vaut 32,40, puis au moins, il remonte. OK? Donc, là, pour l'instant, là, pour limiter les dégâts, ça serait inverser sa tendance ici à 32,15. Donc, la perte serait quand même très petite à 32,15, mais parce que s'il repasse ici à 32,15, il va sûrement tourner 31,40. Donc, moi, je mettrais un stop 32,15. C'est SLJV dit, salut Michel, le pote est en feu. Et bon, ben, s'il est en feu, il doit boucaner. Attendez, quand je regarde ça ici, là. Bon, en feu, oui, jusqu'à un certain point, parce que HMMJ, le ETF qui représente la majorité, est en hausse. Mais regardez, là, si on va regarder ça de même, là il est arrivé à sa résistance, là. Puis là, il est de côté, OK? Donc, c'est là que la partie va se jouer. Côté swing trading, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de nouveau cycle haussier qui est sur le bord de se faire ici. Mais je vais vous montrer en détail ce petit mouvement-là ici, OK? On va mettre ça en minutes. Donc, vous voyez là, il est venu se stabiliser là, exactement sur le top qui est dans le moment, là, ce que je vous montrais dans un 15 minutes, là, c'est là qu'il était. Donc là, à partir d'ici, je vais prendre un autre graphique mieux que ça. On va se mettre ici, puis on va mettre, bon, regardez, si on le met en 15 minutes, là, de même,
voyez, c'est sa résistance, attendez un peu, il m'en manque encore un petit peu. Donc, on voit, là, sa résistance est ici, là, testé 1, 2, 3, là. Donc, là, s'il repart à la hausse, là, ça va être intéressant. Donc, puisque c'est ça qu'il a l'air d'être en train de faire, là, laissez-moi regarder ça ici. Bon, pas tout à fait encore. Donc, si on regarde les titres, bien là, dépendamment des titres ou lequel vous êtes, oui, c'est vrai que là, il y a une passe, mais vous savez, là, sont souvent de très, très courte durée, ces passes-là. C'est assez rare qu'ils ont continué toute une journée dans les derniers mois. Donc là, il y en a plusieurs qui sont sur le même cas. Mais je pense qu'il y a comme un certain plafonnement, là. Il faut être un petit peu prudent. C'est juste en day trading, on voit Weed qui prend les devants ici avec un nouveau signal haussier, mais pas les autres. Les autres sont toujours encore confinés en dessous de leur résistance. Mais il y a Cantros ici aussi qui pourrait être intéressant. Donc, je dirais, sur un nouveau haut, ça pourrait, on pourrait ouvrir peut-être une première position en swing trading, là, mais entendons-nous, là, sur un nouveau haut quand même assez clair, que je dirais. Ici, il y a Pierre Coul qui dit « Secteur cannabis, une analyse, je possède plusieurs titres, oui, d'Alpha, ACB, EXO. » OK. Bon, là, vous êtes tous de bonne humeur ce matin, sûrement, parce que dans les derniers temps, si on regarde ici, là, vous avez Weed, APH, ACB, EXO. Donc, on va les mettre là. Weed, bon, puis EXO, il est ici. Tiens, ça, c'est vos quatre stocks. 1, 2, 3, 4. Bon, Weed, on le voit ici. Il est en hausse, là, ce matin, sur le bord de faire un élan, mais c'est sur un nouveau haut bien clair, comme je vous disais. Et ensuite, Aurora fait exactement la même chose, OK? On est à la même place. Lui, il n'est pas encore vraiment passé sa résistance. Puis s'il revient par ici, ça va donner un sommet négatif par rapport à là. Et puis, il faudrait surveiller son inversement. Mais, tu sais, je ne sais pas quel prix vous les avez payés. Vous en avez quatre. Donc, c'est quand même beaucoup dans un même secteur qui est toute la même condition. Vous voyez, Afria, il est aussi pareil. Et puis, Chronos, bon, mais c'est le seul. Puis ça, c'est pas un tu sais, regarde, c'est comme si la cote était ici, là. OK? C'est le même pullback, là, qui continue toujours en situation surachetée. Fait que je dirais que votre situation s'améliore. À court terme, je sais pas trop quoi vous dire. C'est pas vraiment un point d'entrée pour moi aujourd'hui en swing trading, à moins, comme je vous dis, que ça pousse beaucoup plus fort. Mais pour la majorité de vos titres, ben, comme, je sais pas depuis combien de temps vous les avez, mais si vous les avez depuis plus de quelques jours, ben vous avez des grosses chances d'avoir des bonnes pertes. Ça dépend, là, parce que tous ces titres-là viennent de bien plus haut. Lui, il a perdu la moitié à Fria. Aurora, il valait perdu plus que la moitié aussi. Canopy valait 75, là, il vaut 35, OK? Donc, surtout, augmentez pas vos positions pour l'instant. Vous avez déjà quatre positions là-dedans. Pour l'instant, je vous dis, comme vous les avez, c'est à conserver, parce qu'ils montent aujourd'hui, parce que ça fait longtemps, ça fait déjà une couple de fois, là, dans les derniers temps, ils ont essayé de passer cette résistance-là, puis que ça ne s'est jamais fait. Mais pour l'instant, comme vous les avez gardés quand même longtemps, je pense que ce serait à conserver pour l'instant, mais pas à en acheter. Peter Pan nous demande Warren de EXO. Je vais aller le voir, là, ça doit être HEXO.WT, je suppose, à moins que ce soit un A ou un B. Ouais, c'est ça, c'est .WT. Bien, regardez, je vais vous montrer. Quand on parle d'un warrant, qui est un bon de souscription, qui donne un droit d'acheter les actions à tel prix jusqu'à telle date, n'oubliez pas de surveiller votre date d'échéance, là, parce que les warrants, là, il faut qu'ils soient exercés ou vendus avant la date d'échéance, sinon vous pouvez tout perdre. Et puis, si je le mets à côté de EXO lui-même, vous allez comprendre que le warrant puis le stock, ils font toujours la même chose parce qu'il y en a un qui est dépendant de l'autre. Donc, si on va ici dans les titres, vous voyez, EXO semble en élan haussier, mais pour moi, c'est une même encore continuité de son même cycle, puis il arrive à sa résistance, puis tout comme EXO. Donc, un ou l'autre, à mon avis, c'est exactement la même chose. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Dernier petit titre à préparer ici. OK. Non, ben là, on sent. Là, ben, donc, je disais la même chose. C'est pas la même chose. Il y en a un qui est un bon de souscription, EXO. Puis le titre, EXO, c'est le titre. Le bon de souscription, c'est ce qui marche en fonction du titre. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de trading, c'est pas mal la même chose, excepté que EXO. Regardez, il y a le titre, il y a 1 390 000 de volume aujourd'hui, OK? Donc, il est beaucoup plus liquide. Par contre, quand on regarde le EXO Warrant, il y a 56 000 de volume aujourd'hui. Donc, puis regardez le sorte de points qu'il fait. Donc, EXO.WT, il est difficilement transigeable à cause qu'il ne fait pas gros de volume, puis des... Puis d'un trade à l'autre, il bouge de plusieurs cents, chose qui arrive pas dans le titre EXO. Fait que pour le trading, je trouve que le titre est mieux que son warrant, dans ce cas ici, en tout cas. PD, est-ce que c'est un achat? Demande Pascal. PD, c'est pas encore un achat, moi, je pense, même s'il a l'air à passer une résistance à très, très court terme. Les stocks d'or, pour l'instant, en day trading, sont intéressants. J'ai pas beaucoup grandes données. On voit qu'il est en train, là, parce qu'il vient juste de passer au-dessus de sa résistance, là, très faiblement. Peut-être, c'est pas le mouvement du siècle, en tout cas. On va regarder le secteur avant là, de se prononcer. Tiens, on est ici. Donc, l'or qui a monté ce matin, puis là, regardez, elle a inversé sa tendance dernièrement. Elle est en train de remonter, mais maintenant, on est dans une tendance baissière. Et puis les titres, ils ont une grosse résistance ici. Je ne suis pas vraiment certain que ce titre-là va y aller sûrement. Regardez, moi je pense que autant que ce soit PD ou d'autres, PD, si on regarde, attendez un peu, je vais y aller ici, là. C'est pas PD. C'est Precision Drilling. C'est que l'énergie a monté vraiment fort ce matin après l'ouverture. Je me suis trompé de secteur. J'ai beaucoup de graphiques d'ouvert, hein, j'ai de la misère à trouver mes affaires. Bon, OK. Là, c'est la même chose. On a fait l'aller-retour. Donc, je ne suis pas convaincu que le pétrole va vraiment continuer à la hausse. Quand vous regardez les titres, les titres pétroliers ont fait un peu de catch-up, là, mais c'est vraiment sur le bord. Là. Regardez. Le pétrole est pas encore en cycle haussier, le gaz ne fait rien, puis les titres, c'est vraiment un tout début, OK? Donc, on commence à peu près là, mais le volume est quand même assez faible là, pour la journée. Ça fait que j'ai vu plusieurs élans dans les pétrolières aujourd'hui. On va regarder ici sur Guru.tv. Bon, à Toronto, dans l'énergie, j'ai quatre continuités. À New York,
J'en avais vu, il y en a deux, OK? Puis ce sont tous des affaires de ce genre-là. Les plus forts là, qu'on a vus, c'était Petróleo Brasileiro, puis celui-là ici, Pioneer Natural Resources, qui là, il est en train de redescendre. Mais il me semble qu'on n'est pas encore tout à fait à point là, dans les titres pétroliers. J'attendrai encore juste un peu, question de voir si la plupart des titres vont emboîter le pas. OK? Donc, pour l'instant, il y en a qui sont beaux. Mais regardez ça, c'est pas un nouveau cycle dans le cas de Nuvista. C'est parce qu'il n'y avait pas de cote si le marché était fermé, là, OK, à cet endroit-là. Donc, en réalité, cette cote-là, c'est comme si elle devait être ici. Je sais que je l'explique souvent, mais c'est important. Donc, la cote qui est là, en fait, elle devrait être là. OK? Donc, vous voyez, ça fait juste 1, 2, 3, 4 hausses, tout simplement. C'est vrai là, que ça traverse, mais un peu à la fin. Puis regardez, voyez-vous, là, il y a beaucoup de titres, mais dans son cas, lui aussi, c'est une quatrième hausse qui arrive à une résistance. Fait que je le trouve un petit peu hâtif, là. Puis encore un autre, tu sais, regarde, c'est pas un nouveau breakout, vraiment, cette affaire-là. Fait que je le trouve encore un petit peu prématuré. Puis Precision Drilling, c'est peut-être pas le plus beau non plus. Regardez comment il y en a beaucoup, là, en Cana, vous voyez, Arc. Donc, quelques-uns ont traversé simplement. Donc, ça commence à avoir l'air intéressant. Si vous voulez absolument y aller, moi, je commencerai par une demi-position. Point d'entrée, NMX, merci, bonne année. Bien, bonne année, Karel. J'en ai parlé tantôt. C'est parce que les gens, ils l'aiment beaucoup, NMX, là, Nemaska. C'est une bonne compagnie, c'est une belle compagnie, j'en conviens. On les a déjà reçus en entrevue. Et puis, ben pour l'instant, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, le secteur avait décroché il n'y a pas longtemps. NMX, il se tient bien parce qu'ils ont du potentiel, ils ont leur usine, ils ont tout ça. Mais regardez, si quand il sera bon, NMX, là, regardez, il a bien souffert. Là. Il vient de 2,43$, puis là, il vaut 71 cents. Puis moi, je pense qu'on ne devrait pas trader, à part que pour faire du day trading, puis encore, là, OK, je pense que lorsqu'il aurait atteint les 85 cents, qu'il se sera déplacé de côté pendant quelques jours, comme il l'a fait avant ici, puis qu'il traversera là solidement avec des gros volumes de plusieurs millions, ben, ce sera le début de la nouvelle histoire, de la reprise, qu'on pourrait dire. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. C'est bizarre. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, on est rendu ici. Bon, une question que j'ai répondu souvent encore la semaine dernière. Probablement pas la même personne, mais Martin, j'aimerais savoir votre opinion concernant le Forex. On n'est pas obligé de tout aimer dans la vie. Moi, Forex, je n'ai jamais aimé ça. Je trouve ça plate en mort. dans le Forex, on fait de l'argent sur les différences entre les monnaies. Okay? Donc, c'est comme routinier, c'est très, très routinier. Il y a juste une douzaine de graphiques là-dedans. Ça revient toujours la même chose. Je dis pas que c'est pas bon, mais on s'ennuierait à mourir à parler du Forex à journée longue. Moi, j'ai jamais aimé ça.
J'ai toujours préféré les titres. Maintenant, j'aime beaucoup les FNB parce que, premièrement, à bien des places, il n'y a même pas de commission pour les transiger. Puis ensuite, ils bougent aussi de gros pourcentages. Ça fait que quand on est capable de... Quand on sait bien gérer l'analyse technique, bien, plus il y a des pourcentages de mouvement, plus c'est payant. C'est ça mon opinion. Mais je dis pas que c'est pas bon. Nous, on n'offre pas ce service-là. Est-ce le temps de sortir de OSK, acheter 2$? Bon, pas nécessairement sortir, parce que vous avez payé 2$, vous êtes à profit pas mal, il vaut 3$13. Donc, vous faites plus que 50% là-dessus. Et puis, il va quand même assez bien, Cisco, de ce temps-là. Il est plus fort même que son secteur, je dirais. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est de conserver pour l'instant. Tu sais, si vous l'avez payé 2$, regardez, le bas ici est à 2$45. Là, ça fait que ça fait un méchant bout que vous l'avez. Au moins depuis le bout de septembre, là, avant septembre ou avant, parce que 2$, c'est ici. Donc, vous l'avez payé à ce prix-là, là, tu sais. Donc, il va vraiment très bien. Donc, je vous dirais de même pas réduire la position, de le toffer pour voir jusqu'où il va aller. Vous suivez une tendance comme ça en intra-séance sur 15 minutes, là. Donc, c'est quel jour qu'il va venir traverser ça? Pour l'instant, regardez, si vous auriez fait ça depuis un bout, là, regardez, quand il y a un support ici, le titre, il part. S'il traverse pas le support, on garde. Là, il arrive ici, il se fait un autre support. Bien, on trace le support, puis s'il ne traverse pas là, on le garde. Il se fait un autre support, s'il ne traverse pas là, on le garde. Encore un autre, puis encore un autre, OK? Bon, là, maintenant, son premier et le plus important des supports, c'est celui-là. Donc, moi, pour l'instant, je mettrais un stop à 3$1. Puis le jour où il décollera en haut de... Je vais enlever les lignes, là. Le jour où il décollera en haut de... Avec un graphique en 5 minutes, on va mieux le voir. Donc, quand il va décoller à 3$16, bien, vous allez changer votre support de 2,97 là, à probablement aux alentours de 3,9, 3,10. OK? Vous montez votre support comme ça à mesure que le titre en fait des nouveaux. Donc là, pour l'instant, à chaque fois, c'était ici. Puis là, on pourrait même calculer que c'est ici ça, le prix d'ouverture de ce matin, là, qui est le prochain support. Donc même, je dirais 3,5, le premier support. Puis quand il repartira en haut ici, bien, vous montrez ça à 3,10. Puis et ainsi de suite comme ça. Puis demain, vous allez sortir la position à la baisse, mais à partir du moment où il aura fini sa tendance. Martial dit « Bonne année à toute l'équipe, j'ai acheté 8000 le Cisco à 2,80, je pense à vendre la moitié à 3,20. » Bon, vous, ça vaut la peine parce que, regardez, vous êtes à 2,80, qui est à peu près ici, OK? Donc là, si vous ne vendez pas, au moment de traverser la tendance, il va être 3,3$, puis là, ben, il va vous en rester pas mal moins, il va vous rester juste 20 cents, OK? Fait que dans votre cas, oui, j'en vendrai la moitié, puis je ferai la même chose avec l'autre moitié que j'ai expliqué à la personne d'avant. Mais vous, ce serait sur la deuxième moitié. Bonjour Michel, j'aimerais acheter IVN, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense pas qu'on devrait embarquer dans le secteur minier, là. C'est beaucoup trop risqué. Regardez, les titres sont venus frapper leur support, là. Donc, tout le secteur minier est venu s'accoter sur son support. Et puis, vous voyez que Tech qui est à côté là, puis First Quantum qui est négatif, puis Hot B qui fait rien. Puis, donc, acheter du IVN, LUN, même LUN ne serait pas un achat non plus, mais TRQ et IVN ne le sont pas. Moi, je pense que c'est pour une possibilité de faire 25 cents, acheter ça là, je pense que c'est pas le temps encore. Ça fait déjà des mois que je dis de pas rentrer là-dedans. Carole et l'ABD semblent suivre UPRO à l'inverse. LABD, ça suit IBB et non pas UPRO. Je vais le montrer, je l'ai ici, tiens. LABB, c'est sur... LABD, c'est sur les biotech, OK? Donc, c'est l'inverse de IBB.
Donc, LABU fait la même chose que IBB, puis LABD fait l'inverse de IBB. You're doing good, Monique. Thank you, Monique. Carole, les commissions sont sur transactions hors séance côté américain. Les commissions sur transactions hors séance côté américain sont très dispendieuses. Il faut en tenir compte lorsqu'on le fait l'achat ou l'on vend. Oui, ben ça fait longtemps que bien longtemps que j'ai pas fait ça. Merci de nous informer sur ça, Carole. Carole qui tient aussi des qui a tenu des informations d'un autre participant de l'émission de Guy qui vous avait informé là-dessus, je pense. Bonjour Michel, comment trouves-tu Or, O-R, Alain Chat, Or, ici, O-R. Bon, Osisko Gold, ben lui, il est en élan aussi aujourd'hui. C'est un des rares qui a passé, contrairement tiens, on va le regarder ici, là. Contrairement aux titres qui ont refusé de passer toute l'avant-midi, là, ça, il semble que ça pousse un peu là, dans le moment. On se prépare à faire un nouveau haut sur l'indice. Ça veut dire que l'ensemble des titres serait à la hausse. Mais Osisko me paraît un petit peu plus fort que les autres. Je le trouve quand même moyennement beau. On l'a eu en intra-séance plusieurs fois la semaine passée. Qu'est-ce qu'il y a comme risque là-dessus? Ben, regarde, moi, si j'étais vous, tant qu'à l'avoir là à 12 et 19, bloqué à ces deux résistances, on va mettre en minute, on va le voir bien, bien comme il faut, OK? Donc, tant qu'à l'acheter, attendez au moins qu'il tape les 12 et 20. Puis, comme point de sortie, le risque là-dessus serait de sortie à 12 et 12. Donc, vous avez 8 cents de risque sur ça. Est-ce que c'est le temps d'embarquer dans Cali? Ah, dans le pot, là, Cali, il faisait dur depuis longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ah, bon, ben, comme il a profité de l'euphorie du cannabis aujourd'hui. Tant qu'à faire, on va jeter un petit coup d'œil et voir ce que ça a fait. Bon, oui, il a encore produit un autre petit cycle qu'on a vu tantôt, mais il n'a pas été très loin, celui-là. Tu sais, de 37,84 à 38,20, là, sur 30 piastres, sur quasiment 40 piastres, là, je te dis que c'est pas un gros rendement. Là, ils sont tous arrêtés là, les titres de cannabis, puis regarde bien ça s'ils font pas la même chose que toutes les autres fois, OK? Où ils avaient monté encore ici, puis ils ont descendu après. Donc là, c'est ça qui est à surveiller, là. Pour l'instant, il y a de la pression sur les supports. Cali, qui est même pas dans mon groupe de stock ici, parce que je le trouvais trop plate à suivre. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Regardez le genre de graphique que cette compagnie-là fait, là, OK? Il y a eu une transaction ici, une transaction là. Ah! Puis là, finalement, clic, une autre petite série de transactions, là, de 6 cents à 7,4 cents. Ben, moi, je pense que cette compagnie-là va se faire acquérir, acheter pour ses assets, pour ses valeurs ou quelque chose de même. C'est une opinion, là. Il y a pas aucune nouvelle à ce propos. Mais à mon avis, les grosses compagnies vont chercher à ramasser ces patentes-là qui valent plus rien, 6 ou 7 cents. Tu sais, regarde, à 6 ou 7 cents, là, je te dis qu'il n'y a pas grand intérêt là-dedans. C'est une des compagnies les moins intéressantes. Et puis que si les autres cannabis qui montent, ça tient pas, là, la hausse qu'on a là, puis que ça redescend. Bien, imaginez-vous que le titre le plus poche de la gang, bien, il va redescendre là, avec. Moi, je choisirais pas celui-là, en tout cas. Carole, UPRO achat 1535-14. UPRO. Bon, 35-14. Oh, c'est pas aujourd'hui, c'est-tu ici, ça? Non, il n'a jamais été à 35$ aujourd'hui. OK, on va regarder où ça date de quand. 35. OK, c'est la semaine passée. Ça doit être ici, là. Ça devait être en fin de journée, le 28 décembre. C'est la seule place qui a été à 35,14. Donc, là, si vous l'avez toffé tout ce temps-là, bien, vous êtes dans une formation neutre. Donc, là, le marché, lui, UPRO, ça, il fait comme le marché, là. Regardez, ça a parti en baisse ce matin, puis c'est remonté. Donc, on se rappelle que le 35$, c'est sa résistance, puis que le 33 et 30, c'est son support. Donc,
si on se met ici, 33 et 30 sont fameux, c'est pas 33 et 20 là, qu'on le voit mieux ici. Donc, moi, je pense que par mesure de précaution, comme là, il est sur le bord de l'inversement de sa tendance, il y aurait un point de sortie à 34 et 5. Oui, j'aurais dû mettre un stop, mais j'ai passé tout droit. Mais je devrais le mettre à combien la vente stop? Ou dois-je attendre d'entrer à profit? Oui, mais si vous n'y allez pas à profit, êtes-vous prête à grossir la perte? Hein? Si ça continue, je devrais prendre un autre cours ou lire mes notes. Je suis pas contre, là. Écoutez, ça arrive des fois, quand des fois, ça nous prend du temps, là. Un de nos participants, un des clients de la compagnie ici, qui est aussi un actionnaire d'Arès, m'a dit d'avoir suivi mon cours de day trading pendant 4 ans. OK? Et puis cette année, c'est lorsqu'on a fait des sessions à brûle pour point durant la journée, quand le marché était bien, bien hot. Vous savez dernièrement, on bougeait des 600 puis 800 points par jour, puis sans trop d'avertissement, on arrivait, puis on faisait du day trading. Bon, c'est là qu'il a commencé à mieux catcher. Et puis, regarde, dans les dernières semaines, il faisait des 2000 puis 3000 de profit dans une journée. Avant, il faisait une journée par mois de trading, puis il avait bien de la misère. Ça fait que le day trading, il avait comme mis de côté, jusqu'au temps où la lumière s'est allumée, puis que là, maintenant, c'est devenu une passion pour lui. Mais c'est une passion intéressante juste quand on fait de l'argent. Moi, si vous me permettez, Carole, j'aime pas chicaner les clients, mais si vous me permettez, des fois, vous me paraissez faire des transactions émotives. Et puis, dans le trading, là, on a toujours envie de peser sur le piton. Aussitôt qu'un, tu sais, comme ceux qui transigent TVIX et tout ça, on vient de sortir d'une transaction, on a fait un peu d'argent, là, elle nous brûle les doigts, là, on se trouve de quoi. Puis là, puis moi, je dirais qu'un des bons conseils qu'on devrait avoir en 2019, là, c'est de lâcher la souris. Lâchez la souris, OK? Mettez pas votre doigt dessus, vous allez peser sans faire exprès, premièrement. Ça arrive très souvent. Hey, je vous ouvre le bouton, oui ou non? Attendez un peu. C'est moi qui fais ça, hein? Ah oui, c'est moi. Yes and no bar, ça devrait apparaître là, quelque part là-dessus. Oui, c'est ça. Avez-vous déjà fait un trade sans le vouloir juste parce que vous avez payé sur le piton? Je pose la question à tout le monde. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le doigt sur la souris là, pour regarder l'affaire et à un moment donné, clic! Oh, tabarouette! On a mis un petit peu trop de pression sur le bouton, oui ou non, à la question. Acheter ACB en day trading ce matin, 5679. On va prendre ACB. Et puis regardez, là, le marché que je disais tantôt, peut-être qu'il va virer de bord là, en passant, tandis que j'ai TVIX ici. Là. Donc, là où TVIX deviendra intéressant, c'est si le marché vient qu'à virer de bord. Là, on voit que le marché s'approche d'un nouveau haut quand même, parce que le TVIX est à son bas, mais quand TVIX viendra ici, les inversements de tendance, c'est les choses les plus intéressantes. Donc, je retourne à mon ACB. Une pause? OK, on va une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour. Prochaine question qui était de Manuel. Acheté ACB en day trading ce matin, 5679, vendu 3000 à 7,3. Bon, 6,79, c'est juste là.
OK? Donc, vous avez acheté ça ici aux alentours de 9h45 ce matin. Et puis, parce que le prix me dit quelle heure. Hein? Et puis, là, vous avez pris, vous avez vendu le 3/5e, 3000 à 7,3, ce qui était parfait. Je ne sais pas où, mais c'est quelque part sur cette ligne-là, probablement ici. Et vous voyez, là, maintenant, on ne trace pas la tendance à partir d'en bas, OK? Parce qu'à cause de la montée trop rapide ici, là, regardez partout. Partout, le titre, il aurait inversé la tendance à toutes les 5 minutes quand on fait ça. Vous comprenez? Me suivez-vous? OK? Ça fait que quand, à un moment donné, le titre repart comme ça, bien, on va se servir des derniers creux. Puis, parce que regardez comment les derniers creux vont matcher la tendance. Là, pour l'instant, là, l'inversement de la tendance serait là. Moi, je mettrais un stop à 6,95. Donc, ça sortirait tout à profit. Puis vous avez une chance de le voir, vous avez le choix de toutes les ventes là, ou mettre un stop à 6,95, s'il y avait une autre petite phase d'après-midi, vous pourriez en profiter. ATE semble sur une lancée, j'en ai 8000 à 30 cents. ATE sur Venture, OK, VATE, on va regarder un graphique, V, espace, ATE. Ouais, c'est là, ce truc-là, ATE, on va regarder de même. OK, 8000 à 30 cents, il vaut 32. OK, c'est un titre qui ne se transige pas beaucoup. 157 000 aujourd'hui, mais il a déjà fait des millions, là, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça. Là, il monte, mais vous voyez, regarde, si je diminue un peu les volumes, là, bon... On voit que les volumes sont quand même restés très, très faibles sur cette hausse-là. Ça fait qu'au moins, on a passé cette résistance-là, puis en principe, il a l'air d'être parti pour s'en aller vers les 37. Vous avez payé 30. Donc, à 33, vous faites 10 %, à 36, vous faites 10, à 20 %, puis à 39, vous faites 30 %. Donc là, vous êtes rendu à 10 %, puis c'est 20 % ici, puis c'est 30 % là. Fait que moi, je dirais qu'à 20 %, genre 36, j'étais vous, à 36, je dropperais la moitié de ça pour vous prémunir contre une baisse. Parce que quand il baisse, il peut baisser assez raide aussi. Hein, il y a des journées qui baissent pas mal. Que pensez-vous de GE pour un achat? Oui, j'ai vu ça ce matin. Il avait l'air correct. Je ne l'ai pas regardé encore après. Il était beau ce matin, il n'y a pas longtemps après l'ouverture. Et puis, donc, il est venu donner plusieurs débuts de cycle. Le plus beau, il a été ici, qui était vraiment le plus clair de toutes, là, à 7,85. Là, étant donné que si vous ne l'avez pas acheté encore, là, je ne l'achèterai plus, juste au cas où que toute cette histoire-là, que c'était un rebond aujourd'hui, là, parce que quand on le regarde en une minute, il a l'air plus intéressant que quand on le regarde en 15 minutes. Là. Il est comme en train de faire un top sur son sommet qui est ici, là. OK? Donc, je pense que... Puis ça, c'était pas sa première hausse, là. Hein? Encore une fois, il faut y tracer sa cote ici à cause de la journée qui manquait. Donc, il pourrait déjà être rendu à la fin du cycle. Donc, sous toute réserve, moi, si vous ne l'avez pas, là, bien, regarde, j'attendrai qu'il passe clairement les 8 et 20. Ça me convaincrait que le cycle est peut-être valide, mais encore une fois, c'est bien compliqué dans ce rebond-là. Là. Ça peut être bourré de faux signaux. Là. C'est vraiment difficile. Parce que vous savez, là, on n'est pas encore en marché haussier. Là. Tout ça, ça demeure encore un rebond là, qu'on a eu sur le marché. Puis vous voyez que le rebond, il continue pas là, sur le marché. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention que si finalement le marché reprenait à la baisse, chose qu'on ne sait pas encore, parce que regardez ici dans nos graphiques, là, on a toujours pas eu notre fameuse réponse, mais le marché ne s'en va plus nulle part. Ça, c'est la grosse chute qu'on a eue ce matin. Le marché est revenu. Là, ça fait plusieurs fois qu'on teste le support qui est ici. Puis si on part par là, bien, votre GE, il continuera pas. Il va virer de bord. OK? C'est pour ça que là, on est dans une situation où, avant d'acheter des titres à la hausse, là, assurons-nous que cette tendance-là va durer. Parce que pour l'instant, c'est juste un repli à la hausse d'un cycle baissier. Dan dit, salut Michel, bonne année, peux-tu analyser BBD? J'en ai acheté à Noël 8500 actions à 2,6$. Bon. BBD. Ici.
BBD.B à 2,6, il vaut 2,14. Il monte sur des petits volumes. Il profite du marché qui fait un rebond aussi en même temps. Fait que, garde, mettez votre chapelet sur la corde à linge, puis espérez qu'il va au moins monter à 2,25, quelque chose comme ça. Donc, ça vous ferait un 10 % 2,6 à 2,25. Là, j'ai juste un petit peu peur que, là, il nous montre la fin de son cycle pour aujourd'hui, là. Vous voyez, si on le met en graphique d'une minute, on va bien voir, tu sais, Bombardier, là, regarde, il a atteint son top, là. Donc, ben, tu sais, 2,6, 2,14, c'est pas un gros montant d'argent, OK? Donc, vous l'avez ici à 2,6. Là, le problème, c'est que s'il part d'ici, puis il descend en bas, ben, il va se rendre en un rien de temps à votre prix payé, puis ça va être plate. Fait que le profit est peut-être pas gros, mais voyez-le d'un côté technique. Si à 2,14, c'est 8 cents, OK? Donc, il vous coûterait 1,98. Fait que pour l'instant, là, juste pour s'assurer que ça va quand même continuer, vous en avez 8 500, j'en dropperais 4 000 à ce prix-là, là, au prix actuel, au marché dans le moment, là, j'en dropperais 4 000, puis je mettrais un stop à 2 et 11, 2 et 12, OK? Donc, s'il repart par en bas, le reste va se vendre, il y aura resté un petit profit, mais on est certain qu'on n'ira pas à perte. Puis là, ben, s'il repart par en haut, ben, vous en aurez encore 4 000, ce serait mon avis. Bombardier, c'est-tu le temps d'acheter? Demande Brigitte. Non, Bombardier, c'est pas le temps de l'acheter. Moi, j'ai déjà donné mon call là-dessus depuis longtemps. Bombardier, pour moi, il faut qu'il revienne au moins aux alentours de 2,30, 2,35. Puis quand il sera revenu ici, puis que là, il s'enclenchera là avec des volumes de 10 puis 15 millions dans sa journée, on pourra croire que les investisseurs sont revenus positifs dessus. Mais pour l'instant, là, regarde, s'il revirait ici, là, comme ça, ben ce serait encore une tendance baissière. Ça fait qu'il n'y a pas rien d'inversé. Fairfax, FFH, point d'achat, j'en ai un peu à 600$, mais je cherche un point d'entrée pour le long terme. D'accord. FFH, Fairfax. Bon, ben pour le long terme, là, il va falloir être un peu patient parce que là, il était dans une tendance baissière, puis depuis un bout de temps, il est dans une tendance baissière plus accélérée. On voit qu'il était moins volatile que le marché lui-même, mais il est quand même négatif. Donc là, pour l'instant, il fait un pullback, puis il pourrait revenir à la baisse parce que ça, c'est son support ici, là. Donc, l'inversement de la tendance aurait lieu dans un long terme seulement lorsque le titre serait revenu ici à sa double résistance, juste sous les 650, OK? Puis qu'après, il décolle au-dessus des 650. Donc, ça lui donnerait une nouvelle tendance haussière et ça montrerait l'inversement de la tendance baissière. Donc, le scénario que vous voulez avoir, c'est ça ici. Une pause avant les 6,50, décollage au-dessus des 6,50. Bonne année, vous voulez dire, je suppose, à toute votre équipe. Vous faites super travail. Merci beaucoup. C'est très gentil. On essaye vraiment de faire notre possible. Puis, tu sais, quand on dit faire notre possible, là, c'est sûr que moi, j'aimerais ça vous dire tout le temps, « Ah oui, c'est bon, allez, go, acheter, vite, on achète. » Mais nous, on n'a pas le droit d'être émotif ici. On n'a pas le droit de prendre des risques. On est là pour essayer de vous éviter le plus de risques possible et de vous faire profiter aussi des meilleurs moments. Et puis, regarde, de toute évidence, on n'est pas dans les meilleurs moments du marché. On est juste, on le voit ici, la preuve en est sur Nasdaq. On est sur une correction à la hausse qui est terminé, puis on ne sait pas encore si on va avoir un autre cycle haussier qui va inverser la tendance baissière ou si on va avoir, comme on a fait ce matin, montrer une reprise de la tendance baissière. C'est la même chose sur le Dow qui serait ici à la hausse, là à la baisse. Donc on est à la croisée des chemins ici, puis il est trop tôt pour se rembarquer dans les titres. Peu importe là, ce qu'ils font, parce que c'est pas si fort que ça. T'sais.
Regardez la tendance, là. Regarde, faut pas voir des signaux. C'est un auditeur qui nous avait sorti le commentaire que j'aimais bien. Je l'avais bien aimé. Faut pas tenter de voler le signal. Tu sais, un peu comme au baseball, on vole le but, là, tu sais. Bien, à la bourse, voler les signaux, genre, c'est que voir des signaux où il n'y en a pas ou prendre une chance parce qu'on trouve que c'est peut-être un signal, bien, si on en fait trop de tout ça, bon, ben, on va faire trop souvent des pertes. Il faut réduire le nombre de transactions et pour en faire moins de mauvaises transactions puis augmenter la qualité de nos transactions. Le venture est fort, il me semble que ça fait longtemps. Bien, s'il est fort, c'est à cause du cannabis là, puis de l'or, parce que l'or est en hausse en même temps que le cannabis, puis avec la poussée du pétrole, puis le marché de croissance, c'est du pétrole, de l'or puis du cannabis. Ça fait que, donc c'est pour ça que le marché ici est en inversement, mais encore là, c'est pas un marché haussier. On est juste en train d'annuler le dernier cycle baissier qu'on avait eu, OK? Donc, il pourrait rester encore un petit peu de hausse, là, mais le prochain signal de le marché haussier, passer de marché baissier en marché haussier, c'est après qu'on aura eu une pause et qu'on traversera les 5,75. Donc, il ressemble quand même au marché, au plus gros marché. On est probablement en fin de course, là, mais ça va bien gros dépendre de l'or et des titres de cannabis qui font le secteur hein, maintenant, là, c'est vraiment le cas. Là. Tiens, puis pour l'instant, là, on en parlait tantôt, regardez, il n'y a pas eu d'autres mouvements, ils sont tous accrochés là encore, puis c'est important d'avoir une vue d'ensemble là, sur les titres, parce que quand on voit qu'ils plafonnent tout, ah ben tiens, on parlait d'OGI tantôt, bon ben OGI, vers midi, il a donné un autre signal, puis là, il vient d'en donner un autre. Donc, lui, il a été faible un bout de temps, mais aujourd'hui, il est quand même très productif. Claude Roger dit « Bonne année, résolution TE bon, en tout cas, écoutez plus souvent, meilleur pour le portefeuille. » Bon, ah, « T'écouter plus souvent », OK, c'est ça que vous avez écrit. Bien, merci beaucoup. Bien, écoutez, à chaque fois que j'analyse quelque chose, c'est toujours dans au meilleur de mes connaissances, tout en essayant de voir aussi un peu en même temps, selon votre question, quel type d'investisseur vous êtes. C'était dit, pourquoi MarketVin n'affiche pas les cotes neutres de la fin de semaine, mais affiche les journées fermées. Oui, bien, c'est parce que c'est deux logiciels complètement différents. Là. La fin de semaine, il n'y a pas de cotes, les marchés sont fermés. C'est juste que le logiciel, il est fait pour avoir 250 cotes par année. Donc, quand il manque une cote, il y a un trou. Tandis que Traders, lui, il accumule les cotes à mesure, puis quand il n'y en a pas, dans une journée, il n'y a pas de cotes une journée, bien, le lendemain, ça recommence où elle finissait avec les autres. Et puis, c'est juste qu'il faut s'habituer à le visionner comme ça. Donc, c'est terminé pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Tous les nouveaux actionnaires de Arès, je vous avais dit lundi là, que je faisais mon possible pour tout parce que vous avez droit aux produits gratuits de Décision Plus maintenant. Sergio n'était pas là lundi, puis la personne qui était là, elle était pas sûre de comment faire ça, puis pour pas tout mélanger le système, j'ai préféré attendre. Donc, Sergio est là aujourd'hui, elle s'en occupe, elle devrait vous appeler. Puis à mesure que je vais recevoir vos papiers, les autres, je vais m'en occuper aussi, là, mais ça va tout se faire au cours des 2-3 prochains jours. Encore une fois, merci de faire affaire avec nous. Je vous souhaite une très belle et heureuse année et encore aussi beaucoup de discipline.